Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lidvina. Alors aujourd'hui c'est pour vous présenter une nouvelle idée de coiffure que j'ai vue sur YouTube. Je me rappelle plus de la blogueuse qui l'avait faite, mais voilà, j'ai essayé de refaire la coiffure en l'adaptant un petit peu à ma sauce. Alors la coiffure elle a l'air super structurée, comme ça on a l'impression que j'ai passé une heure à le faire, mais en fait je vous promets que c'est super simple. Alors si vous voulez voir comment j'ai réalisé la coiffure, comme les Américaines disent, stay tuned. Alors j'ai réalisé la coiffure sur cheveux étirés au sèche-cheveux. En fait j'ai trouvé que c'était peut-être le moyen le plus facile de la réaliser. Après je suppose que c'est possible sur cheveux pas étirés, mais voilà, pour cette fois, vu que c'était en plus un test, je l'ai fait sur cheveux étirés. Alors mes cheveux étaient fraîchement rincés d'un masque, donc je sépare les cheveux en 4 portions plus ou moins égales. C'est pas obligatoire que ce soit super net, mais voilà. Ensuite j'utilise donc le Soin Keracare Oil Moisturizer. Je mettrai le nom du produit dans la barre d'infos. Et ensuite je démêle les cheveux. Donc je sépare chaque grosse portion en 2. Donc je démêle bien, j'essaie de mieux démêler. Et ensuite je vais passer au sèche-cheveux avec la tension méthode. Donc le principe c'est de tenir ses cheveux pendant qu'on les sèche, comme ça ça évite d'utiliser le peigne et tout ça, ou la brosse, qui peuvent un peu mettre trop de pression sur les cheveux, notamment les racines. Alors donc j'étire les cheveux, et donc pour chaque portion étirée je vais faire une vanille et passer à la portion suivante. Alors la coiffure en elle-même c'est super simple, c'est le principe du twist and tuck. En fait le principe c'est de faire une vanille lâche, de mettre une bobby pin au bout de la vanille et de la sécuriser en la dirigeant vers le milieu du crâne. Alors je n'explique peut-être pas bien, mais vous allez voir en image de quoi il s'agit précisément. Donc voilà, je fais la vanille lâche de préférence pour donner cet effet un peu volumineux, un peu gonflé. Donc voilà, et ensuite je mets une bobby pin au bout de la vanille. Donc le principe c'est un peu compliqué d'ouvrir une bobby pin juste avec une main, donc j'étais obligée de lâcher la vanille pour pouvoir venir à bout de cette pince. Donc voilà, ensuite je mets la bobby pin au bout de la vanille et j'essaie donc de la sécuriser vers le milieu du crâne. Alors j'ai terminé avec la première portion de cheveux, donc voici ce que ça donne. Et je vais donc refaire le même principe sur la deuxième portion, donc la vanille lâche, mettre la bobby pin au bout de la vanille et la sécuriser en la dirigeant vers le milieu du crâne. Thank you.
Alors, je passe ensuite donc au pompadour. Ça a été un peu la partie la plus compliquée, on va dire, parce qu'en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai essayé de faire un vrai pompadour. Ensuite, je me suis dit que je vais continuer sur le même principe. Donc, j'ai fait donc les vanilles avec la pince au bout que j'ai sécurisée cette fois sur le côté. Donc voilà, la coiffure est faite. Donc tout ce qui reste à faire, c'est donc de vérifier que les pinces tiennent bien. C'est de ranger un peu les côtés qui débordent, de mettre des pinces où il en faut. Mais globalement, vous avez compris le principe. Et donc voilà, c'est une coiffure qui est vraiment facile à reproduire. Et c'est une coiffure qui, je pense, est assez aléatoire selon l'inspiration du jour. Mais voilà donc ce que ça donne sur moi. J'espère que vous avez apprécié l'idée de coiffure que vous allez reproduire si besoin. Et je vous dis donc à la prochaine fois.